Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur. Nous sommes très heureuses d'être en votre compagnie. Je suis Christelle Meledge et c'est Judith Assoumou qui réalise donc ce temps d'antenne. Nous allons tout de suite prendre langue avec Monsieur Kouassi, échelle conférencier de son État. Aujourd'hui, il nous parle de deux aspects, deux points bien précis qui, moi, dit, qui jonchent la vie des hommes. Mais pour être un grand homme, il faut forcément souvent passer par là et agir en fonction, ne pas se laisser distraire par ces mots dont nous allons parler et avancer vers son destin. Bonjour Christelle. Bonjour. Ces deux points sont essentiels parce que c'est deux obstacles qui donnent aux gens de ne pas atteindre leur succès. Des obstacles majeurs qui empêchent les gens de pouvoir parvenir à leur fin. Ces obstacles, en premier lieu, la frustration et il y a aussi le Le rejet. rejet. Alors, parlons de la frustration, tout le monde vit, hein. C'est des problèmes, enfin, des périodes où on n'a pas ce qu'on veut, on est près de l'avoir et après, la chose semble disparaître. Alors, la meilleure attitude, c'est de ne pas s'asseoir et se décourager, et c'est d'avancer. Et nous avons un exemple bien précis. Disons que la frustration, comme vous l'avez dit, c'est ne pas atteindre ses objectifs. Il y a des moments où vous vous assignez des objectifs et pendant votre parcours, vous vous rendez compte qu'à chaque moment, ce sont les échecs qui reviennent. Au lieu donc d'aller au sommet, de tirer vers le haut, à tout Plutôt moment, vers le bas. voilà, vous partez d'échec en échec et cela donc va créer les frustrations. Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est que la vie de succès n'est pas sans défi. Et si c'était sans défi, alors tout le monde serait un succès. C'est d'ailleurs les défis qui amènent les uns à être en haut et puis les autres à être en bas. Et pour dire que, La quelque façon dont part, on aborde les voilà, défis, la en fait. manière qu'on aborde les défis, ce qui va créer, je dirais, le succès que nous souhaitons ou encore créer la frustration. Et je dis toujours, quand vous voyez ceux qui tout le monde appelle succès aujourd'hui, qui ont réussi, alors partez dans leur passé et vous comprendrez qu'ils n'étaient pas là où ils sont C'est aujourd'hui. clair, hein? Hier, ils étaient quelque part. Ils ont dû passer par des périodes où ils devaient être frustrés, mais je dis toujours aux gens que la vie est un cadeau. Et donc, faites de la vie ce que vous pouvez, donnez votre meilleur, surpassez les événements négatifs qui pourraient vous abaisser, vous réduire, réduire vos chances. Et cela passe par surmonter tout ce qui est échec qui peut créer la frustration. Donc, comme je suis en train de le dire, un exemple vraiment pratique, un de nos jeunes frères africains qui a connu des événements, des périodes de sa vie où, quelque part, il devait être, dans la frustration, parce que je veux ouvrir une parenthèse. La frustration est l'une des grandes causes aujourd'hui du grand nombre de suicides que nous voyons. Et avec mes études, j'ai découvert que chaque 40 secondes, un homme se suicide sur la Terre. Chaque 40 secondes, Frustré, en ça fait. fait près de 2160 personnes qui se suicident par jour. C'est tout Plus bénéfice. de 788 000 personnes qui se suicident par an. Et l'une des causes de ces suicides vient des revers de la vie. Les gens sont beaucoup frustrés aujourd'hui quand les échecs viennent, n'arrivent pas à surmonter les échecs et du coup, au lieu de chercher à aller de l'avant, ils sont frustrés et ils tombent dans la bassesse de sorte que leur vie devient une vie tenaillée par la souffrance. Et donc, comme je suis en train de le dire, parlons de ce jeune Africain que j'aime bien, Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est une icône. Tous les jeunes le prennent pour modèle. Tout Oui, le monde dans son a envie. domaine, ouais. Voilà, dans son modèle, dans son domaine, pardon. Tout le monde a envie d'être comme lui. Mais Eto'o n'est pas succès du Par jour au hasard, lendemain. ouais, c'est clair. Par hasard, du jour au Une lendemain, histoire. n'a pas été un succès. Il a eu une histoire. Eto'o va se retrouver. D'abord, il est né dans un quartier pauvre de Douala. Cameroun. Voilà, à Douala, et d'une famille vraiment pauvre, où il a dû marcher même les pieds nus, il jouait au foot, les pieds nus. Les gens l'appelaient le prochain Mila, le prochain Roger Mila, mais un Roger Mila qui était pieds nus. Et donc, ce jeune homme va, avec le temps, se retrouver en France. En France, il va connaître des échecs, et il était d'ailleurs sans Sans papier. papier, exactement. Sans papier, ils vont l'éjecter de la France.
On le ramène au Cameroun, il n'a pas de papier. Donc on les jette de la France, les vont renvoyer de la France et il va intégrer une école de foot qu'on appelle Kadi Sport de Douala. Et après cela, il va être répertorié par certaines personnes qui vont encore le ramener en France. Pour un essai. Quand il arrive en France, il intègre le Saint-Étienne, il intègre Cannes, il intègre Havre. Mais tous ces essais n'ont pas été concluants. Eto'o va donc être encore renvoyé au Cameroun pour la deuxième fois. Et Eto'o dit, ok, c'est vrai que je n'ai pas pu avoir un essai concluant. Dans trois clubs, d'abord la première fois j'ai été éjecté. Encore une fois, je suis parti, j'ai eu la chance d'intégrer trois clubs et les essais n'ont pas été concluants. Je suis ramené au Cameroun. Pays à la base. Ah mais je ne m'arrêterai pas là, il va commencer donc à travailler encore plus dur. Quelque part, quand nous avons les premiers échecs, ce qui amène les gens à perdurer dans l'échec, c'est qu'ils sont automatiquement frustrés. Ils se disent comme ça que, ok, j'ai mes ambitions et voilà, je n'arrive pas à les atteindre. Et je veux souligner un fait. Les frustrations détruisent les ambitions des hommes. Quand vous êtes frustré, alors vous ne pouvez plus faire sortir le meilleur de vous. Et à un moment va arriver où vous allez vous dire que je ne peux plus. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui manque en moi. Rien ne manque en vous. Vous avez besoin seulement de volonté. Et c'est ce que Eto'o a eu. Il a eu beaucoup de volonté. Après qu'il soit été rejeté de la France par deux reprises, il va commencer encore plus à travailler. Et cette fois-ci, il va se retrouver en Espagne. Donc il repart encore. Mais là, il avait ses papiers et il avait tout ce qu'il fallait comme papier. Et donc, il va se retrouver en Espagne dans le club de Real Madrid. Et donc, à Real Madrid, tout ce qu'il pouvait faire, les rares fois où on lui a donné l'opportunité d'intégrer l'équipe afin de pouvoir jouer, Eto'o n'a pas pu avoir de résultats concluants. Donc, le Real va encore une fois le vendre. Il sera encore une fois éjecté, voilà, donc frustré. Le Real va l'amener à Espagnol de Barcelone, encore à Legan, deux clubs. Là-bas encore, Eto'o n'arrive pas à donner des résultats. Positifs. Et ils vont le ramener au Real. Mais Eto'o continue à travailler dans le secret. Vous savez, vous pouvez connaître des échecs aujourd'hui. Mais ce qui fait de vous un grand demain en public, c'est dépendant de ce que vous faites dans le secret. Eto'o dit, ok, c'est vrai, au Real, je n'ai pas eu mon poste. On m'a amené à Legan. Legan, je n'ai pas eu mon poste. On m'a amené à l'Espagnol de Barcelone. Là-bas encore, je n'ai pas pu faire ce que je pouvais faire pour pouvoir être dans les types. Mais je ne baisserai pas les bras. Je continue à travailler. On le ramène au Real. Après 4 ans d'échecs cette fois-ci, après toutes les années d'échecs en France, il vient faire 4 ans encore d'échecs en Espagne. Et quand on le ramène au Real, le Real va encore l'amener à Majorque. Cette fois-ci avec option d'achat. À Majorque, il fait 4 ans. De 2000 à 2004, ça a été l'année, comme on le dit de manière commune, l'année des percées d'Eto'o. Donc après plusieurs années d'échecs, sans être frustré, Eto'o a continué à travailler sur ses talents. Il s'est dit que j'ai un talent en moi. C'est vrai que ce talent n'est pas exprimé aujourd'hui. Mais certainement, quelque part, un jour vient où mon talent sera reconnu de tous. Et à Majorque, Eto'o va être le meilleur buteur du championnat d'Espagne. C'est ainsi que le Real va encore repartir pour racheter Eto'o. Et là, il va refuser. Et Barcelone aussi a demandé à l'acheter. Et Eto'o va faire le choix de Barcelone. Et voilà que, non seulement avec le Barça, il remporte, il est, je le dis, le premier joueur dans l'histoire à avoir remporté 2 triplés avec 2 clubs différents. Le premier joueur dans l'histoire. Il a remporté la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe avec le Barcelone, le FC Barcelone et avec l'Inter de Milan. Il est la seule personne à avoir remporté la Coupe, comment vous appelez cela, le trophée de Ballon d'Or africain à 4 reprises. Et nous espérons que un Ivoirien vienne à remporter cela à 4 reprises. Vous savez de qui est-ce que je suis en train de parler. Et le seul joueur donc à avoir remporté ça à 4 reprises. Il est aussi l'un des 3 rares joueurs à avoir marqué dans 2 finales de Ligue des Champions de manière consécutive. Pour dire que l'homme qui avait été un échec hier, a passé des années et des années dans l'échec, devrait être frustré.
allait même se dire, bon, ok, je n'ai pas... Je reste au pays. Voilà, je n'ai pas le potentiel pour pouvoir devenir un grand joueur. Cet enfant ne s'est jamais assis pour pleurer, mais il a dit que je dois devenir un succès, alors je le deviendrai, mais je le deviendrai certainement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, comme je le disais, plusieurs se suicident aujourd'hui. Et vous allez voir dans les cimetières, il y a de très grands talents à cause de la frustration qui sont entrés dans les tombes. Des gens qui n'ont pas pu lutter contre les revers de la vie. La vie ne sera jamais sans défi. D'ailleurs, c'est les défis qui vont faire de certains des excellents, de d'autres des gens qui seront des échecs. C'est seulement les défis qui vont nous différencier. Et donc, notre capacité à réagir face aux revers de la vie, face aux défis, face aux challenges, face à tout ce qui est au devant de nous, c'est ce qui va nous donner de pouvoir être en haut ou encore en bas. Et Etofis a su faire la part belle en positivant, en se disant que je suis optimiste. C'est vrai que j'ai connu assez d'échecs, mais moi, je ne resterai pas là à pleurer. Je me battrai afin de devenir quelqu'un. Aujourd'hui, nous le savons tous, Etofis est l'un des meilleurs joueurs sur cette planète Terre, l'un des meilleurs attaquants. Quelqu'un qui, en une saison entière, n'a marqué que 4 buts. Aujourd'hui, il est devenu une icône. Il est devenu une référence. Quand vous parlez de Etofis, ce n'est pas seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique, l'Afrique entière se sent fière. Okay? Pour dire que voici des gens qui, quelque part, ont tout ce qui est situation de la vie devait les amener à être frustrés, mais ont refusé d'être frustrés, se sont dit que demain sera bon et je vais me battre de sorte que demain soit effectivement, je dirais, meilleur qu'aujourd'hui. Après donc, Etofis qui est véritablement, qui est passé par des étapes de frustration, normalement il n'aurait même pas dû être connu si on voulait vraiment se baser sur tous ces échecs-là. Mais il a travaillé dans le secret, dans le laboratoire, et aujourd'hui il est l'icône mondiale que tout le monde rêve de ressembler, parlant surtout des footballeurs. Second cas que nous avons ce matin, nous allons parler de monsieur qui est une icône. On reste toujours dans le sport, mais cette fois-ci dans le basket. Et là, avec lui, on s'attardera sur cet aspect qu'on a dénommé le rejet. Voilà, on ne m'aime pas, on m'a rejeté, on m'a chassé, on m'a demandé de partir, donc c'est fini, ma vie s'arrête là. Le rejet est l'une des causes encore, je dirais, de l'échec de la plupart des gens. Ils ont été rejetés et ils sont blessés dans leur amour propre. Et ils n'arrivent pas à se libérer. Et à l'intérieur, ils accumulent tout. Et je peux le dire, je vais l'avouer, il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'ulcère. L'ulcère d'estomac et l'ulcère gastrique et autres. Cela vient des soucis après avoir été rejetés. Ils n'ont pas pu se libérer et ils ont commencé à tellement réfléchir. Ils sont recroquevillés et du coup, ils n'ont personne pour pouvoir leur donner le sourire. Et eux-mêmes, ils n'ont aucun sourire, ils n'ont aucune joie. Entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, la vie est un cadeau. Ce que vous faites de la vie va déterminer ce que vous recevez. On vit une seule fois. C'est vrai que vous avez été rejeté. Si vous vous souvenez, la semaine passée, je disais que Albert Einstein, qui a été l'un des meilleurs savants scientifiques dans le monde, a été rejeté. Il a été renvoyé de l'école en Allemagne pendant qu'il avait 15 ans. Quand il a voulu intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich en Suisse, là-bas encore, le premier concours d'entrée, il a échoué. Après cela, un an après, il a pu obtenir le concours et il est sorti de l'école même avec une mention passable. Après cela, toutes les portes qu'il a frappées pour un travail, il a été rejeté. Mais il est devenu l'un des plus grands savants. Donc, parlons d'un deuxième exemple aujourd'hui. Nous parlerons de Michael Jordan qui aujourd'hui est, je peux m'exprimer ainsi, le meilleur basketteur de tous les temps. Le meilleur dans son domaine. L'un des hommes les plus puissant financièrement sur Terre. Un moment était arrivé même où il était le sportif le mieux payé sur la planète Terre. Mais écoutez, cet homme n'est pas arrivé là où il est par hasard. Il a bien voulu jouer au basket et quand il s'est présenté à l'équipe de basket de son lycée, le coach lui a simplement dit que vous n'avez aucun talent pour réussir dans ce domaine. Dans ce domaine, on a besoin des gens qui sont grands, de par la taille, et qui ont des muscles qui peuvent vous répondre.
Mais vous, vous n'avez aucune de ces qualités, alors vous n'allez jamais réussir dans ce domaine. Vous n'avez seulement que 1m80, ici on a besoin de 1m95 et autres, eh bien, allez chercher à faire quelque chose d'autre hein, que de venir perdre votre temps ici dans le sport, le basket. Et ses parents lui ont dit, Mike, est-ce que tu crois que demain tu peux devenir quelqu'un dans le basket? Il répond oui, je peux. Parce que quelque part, la taille est vraiment importante, mais il y a un talent intérieur que j'ai en moi-même, un talent qui peut se réveiller, qui peut me donner d'avoir un potentiel pour vaincre tout ce qui est adversité, tout ce qui est, je le disais, ma taille et autres, tout ce qui pourrait m'amener à ne pas être un succès. J'ai quelque chose à l'intérieur que je peux prendre pour pouvoir transcender et vaincre tous ces obstacles. C'est ainsi que on va le mettre dans l'équipe réserve. C'est-à-dire que quand il y a des matchs où c'est matchs de pas de très grande importance, puisqu'il a insisté, on l'a mis dans l'équipe réserve, et dans l'équipe réserve, il va devenir le meilleur joueur de l'équipe réserve. L'année qui va suivre, il intègre l'équipe de l'université, l'équipe de l'université, et il va être non seulement le meilleur défenseur, mais dans le dunk, il va être le meilleur dans le dunk. Et encore, dans le coup. Les coups qu'on devait pour marquer, les points, il va être le meilleur encore dans ce domaine. C'est ainsi que, dès rejeté qu'il était, quelqu'un qui ne devait pas faire partie de l'équipe type de l'université, on va le répertorier et Michael Jordan va entrer dans le NBA. Et souvenez-vous que Michael Jordan est celui qui a rehaussé le niveau même de l'NBA. C'est celui qui a fait que l'NBA est devenu ce qu'on voit aujourd'hui par son talent fou. Et j'ai eu une des interviews de Michael Jordan qui disait comme ça que j'ai raté plus de 9... Alors je vais lire pour vous, j'ai raté plus de 9000 coups dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 jeux à 26 reprises. 26 reprises, j'ai raté le coup gagnant. Le tir gagnant à 3 points et j'ai raté. J'ai échoué plusieurs fois dans ma vie. J'ai échoué dans la vie. C'est pourquoi j'arrive à gagner. Croyez que quelque part, ceux qui sont des vainqueurs, ils ne voient jamais le verre d'eau à moitié vide. Ceux qui sont des échecs, quand ils voient un verre d'eau, ils disent le verre d'eau est à moitié vide. Et donc ça ne me suffira pas, ça ne va pas me satisfaire. Celui qui est un vainqueur dans sa pensée, il voit toujours le verre d'eau à moitié plein et il se dit ceci est suffisant pour satisfaire mon corps. C'est ainsi. Le talent peut ne pas être assez aujourd'hui pour faire de vous quelqu'un de prestigieux, mais vous devez dire en vous-même, ce qui est en moi est suffisant pour pouvoir faire de moi une icône, un grand demain. Et c'est ainsi que Jordan, ayant été rejeté, ayant raté plusieurs coups, ayant même raté, été battu à 300 reprises, Jordan dit que tout cela a forgé mon caractère. J'ai jamais vu cela comme un rejet. J'ai jamais vu cela comme une occasion d'être frustré. Mais au contraire, j'ai pris cela afin de bâtir sur ces échecs pour devenir le succès que je suis aujourd'hui. Vous voyez que plusieurs, quand ils commencent un travail et qu'ils n'ont pas l'amour qu'ils espèrent avoir de leurs collègues, de leurs amis, du coup, ils se replient sur eux-mêmes. Et je dis aux gens que c'est une erreur de penser que tout le monde peut vous aimer. C'est pas possible que toute la terre entière vous aime. Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, qui vont vous rejeter. Appréciez le fait que certaines personnes vous acceptent et n'en voulez pas à ceux qui vous ont rejeté. Parce que personne sur la terre ne sera aimé à 100%. Si vous voyez la vie dans ce sens, alors quand quelqu'un va vous rejeter, quand quelqu'un ne vous acceptera pas comme vous le souhaitez, ça ne vous fait aucun mal parce que vous dites que c'est une réaction normale, c'est la vie. Ok, donc c'est ainsi pour pouvoir vaincre le rejet. Donc surpassez vos émotions internes, voyez la vie dans le sens positif et puis voilà, vous aurez la force de pouvoir surpasser ces rejets. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Monsieur Kouassi et Chel. Nous parlions aujourd'hui avec vous de la frustration et du rejet. Les exemples précis étaient donc ceux d'Etofi, parlant de la frustration qui a été frustrée plusieurs fois, et de Michael Jordan qui au départ a été trouvé nul par l'entraîneur et donc a été mis en équipe réserve. Et là, il a fait des étincelles et aujourd'hui, il est l'icône mondiale que tout le monde connaît au niveau du basket. Merci d'être venu ce matin. Vos téléphones pour terminer.
Merci à vous aussi. Je suis au 09 60 24 09, 09 60 24 09, 05 07 42 55, 05 07 42 55. Merci et à la semaine prochaine. Avant donc de prendre langue avec le docteur Abodo, nous parlerons avec lui de l'éducation du diabétique. Restez en notre compagnie. Judith Assoumou, c'est à vous. Devenez un...